Yo les Trashers, salut à tous, c'est Philon, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau Let's Play de l'irrespect parce que je vais jouer à Pokémon Lune Achrome YouTube version fait par Liviaf. Merci à toi Liviaf. Et je sais pas trop comment ça se passe, j'ai voulu garder la surprise. Écoutez, j'ai choisi la langue du français, je suis français. Je suis français. Appel entrant, professeur Neoxys, région de Trash World. Ah. Professeur Neoxys ? C'est toi, Neoxys ? Yo, les Trashers ! Yo, les Trashers ! Mais oui ! Alors, Fifou, tout est prêt pour le déménagement à Trash World. Ça va. C'est un monde composé de plusieurs îles, un archipel. C'est là où j'ai grandi, que j'aime les îles. C'est vrai, vous savez que Neoxys, c'est un mec des îles. Et ouais, à Trash World, on a tout plein de Pokémon vraiment cool. Par exemple, Primokryong, Primogrodon, Meraikaza, tout shiny. Primokryong, Primogrodon, Meraikaza, tout shiny. Vocabo du calme, on avait dit pas devant les viewers. Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est que cette version? Enfin bref, j'ai besoin de savoir 2-3 trucs. C'est laquelle ta nude? Ah, on parle de nude direct. Alors, quelle est ma nude? C'est bien celle-ci, Mashallah. Putain, on dirait vraiment Neoxys! J'ai besoin de ton petit nom beauté. Fifou, c'est mon nom, comme toujours. On ne change pas une équipe qui gagne. Après Insurgence et Uranium. Fifou, c'est ça, bien sûr, c'est ça. J'ai déjà entendu ça quelque part. Hé, hey, Fifou! Ça fait pas un peu bizarre que je sois à Babtou? T'es pas vraiment Babtou, mec. Tu verras, je suis pas le seul à m'être fait un lefting. Bienvenue à Trash World. Super. Ah, je le sens bien ce let's play. Oh, je le sens très très bien ce let's play. Oh. Fifou, viens voir ta maman. Toi qui aimes ton mal parler sur les mers. Non. Maman. Lily court. Comme elle est belle. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelais plus de l'histoire. Elle se sauve avec Cosmog. Là, des méchants! Attention! Quoi? Des méchants? Je suis gentille! Ah, nous sommes les méchants, nous te poursuivons! Non, arrêtez, bande de méchants! Vous êtes vraiment trop méchants! Ah ah ah! Je suis un autre méchant! Il y a des méchants partout! Encore un méchant? Quoi? Non! Mais comment vais-je faire? Vite! Vite, je suis gentille! Je dois forcément me sauver! Ah ah, j'ai des sourires de méchants! Vite! Sauve-moi, gentil numéro 2, que j'essaie de sauver. Oh mon dieu, non. Oh mes yeux. Bref. Wesh, le chat va chercher le gamin et réveille-le. Parle-moi bien, je suis une mascotte après tout. Putain, c'est le Meowth de Pokémon Trash. Putain, mais ce jeu était fait pour Pokémon Trash. Oh. Comment je dors tout habillé en basket, c'est pas logique. Bonjour Meowth. Putain, je peux... Oh putain, comment je cours vite! T'as vraiment dormi longtemps, feignasse. Maintenant que t'as récupéré, tu dois être d'attaque. Putain, comment elle me parle, ma mère? Je parie que t'as hâte de découvrir les bizarreries de ce let's play incongru. Bats les couilles, frère. Bats les couilles, frère. Trash World, c'est trop bien. Mais bon, Osef, du moment que ces il fait de la YouTube monnaie. Bah oui! C'est sûrement Neoxys. Oh oui, tu peux aller lui ouvrir. Miaouz, tu es glitché dans la porte. D'accord, mia. What the heck? Bonjour! Ça va, Neoxys? Tu pouvais éviter de faire des choses avec ma mère? Tu dois être Fifou, je parie! Ravi de te rencontrer, moi c'est Neoxys! Content de vous voir à Trash World, ça a été le voyage! Pas trop fatigué par le décalage horaire, Paris Trash World, ça fait une trotte! Regarde-moi cette lune! Magnifique! Pourquoi tu t'incruches chez moi la nuit? Très cher professeur Neoxys, nous sommes arrivés hier! Ok. Salut bébé! Ça te dirait de dégager ton gamin vite fait que... Je me souviens encore de nos ébatouries sous les cocotiers du visage. C'est en lui repensant que j'ai pris la décision d'emménager à Trash World pour retrouver votre magnifique visage. C'est comme si... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Fais pas comme si c'était juste mon visage qui t'intéressait. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Magnifique. Eh, tu vas où? C'est par ici. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que ce jeu, c'était genre toutes les secondes, ils te disent où aller. Alors, à nous deux.
Les Pokémon vivent en harmonie, c'est simple, blablabla. Un peu comme... C'est la liberté totale après comme entre ta mère et moi. Tu penses quoi de Trash World? C'est pas mal, ça va. C'est pas facile de débarquer en terre inconnue. Mais je suis un trasheur, un petit dresseur. Quelle doigt capacité je vais utiliser pour gagner? La bonne capacité, c'est Ultra Laser sur Mega Rayquaza tout shiny. C'est tout Néoxys finalement. Hein. J'ai bien retrouvé Néoxys dans le professeur. Alors, tu peux t'aventurer dans les autres herbes, d'accord. Je peux pas encore y aller évidemment parce que je n'ai pas de Pokémon. Un peu quand les gens, quand ils s'aventurent. En avant, Donald! We need this fucking wall! Donald Trump! We're going to build a wall. It's going to be built. Putain, c'est vrai que ce jeu quand même est beau. Hein. On oublie, mais ce jeu est beau quand même. On est arrivé à Lily, tranquille. Petite grotte. Voilà le bled paumé dans lequel on a débarqué, c'est un peu naze. Il y a 3 arbres et 2 alcoolos! C'est vrai. On fait quoi? Où est Théa? Théa! Non. Pas Théa, s'il te plaît. Pas Théa! Attends. J'ai mal lu. C'est bien, je vais super vite. Vite! Cette vitesse de l'angoisse. Si c'est LTA. S'il te plaît, ne sors pas du sac. Si quelqu'un te voit, nous aurons des ennuis. Putain, c'est elle. Non, c'est la version féminine de Théo. Je veux pas. Je m'appelle Théo et je suis trop fort. Oh. Oh non. Attention. Des piafabecs. Vite. Je vais le sauver. Plus vite! Oh mon dieu, c'est vrai, il y a tellement de cutscenes dans le jeu! Oh, elle est trop mignonne! Non! Elle s'appelle Théa! PTDR, t'es qui? Parle bien à FDP, va! Il est en danger, tu dois le sauver! Sauve Truc Inutile, je t'en prie! Il s'appelle Truc Inutile! Piouhou! PTDR, t'es qui? Je suis trop une fragile pour y aller, d'accord. C'est vrai que t'es un peu une fragile, Théa. Si tu t'appelles Théa... Easy, easy. Bonjour. Attention, la magnifique, magnifique cinématique. Oh, il t'a fallu que ça fait dévater, j'ai une boubise. Oh, c'est trop bon, t'as toi. Oh. Tiens. Oh, bon bah merci, mec. Merci pour tout, gros. PTDR, t'es qui? Cher, très cher. Cette pierre te revient. Oh mon dieu, elle marche dans le vent. J'aime lumière. Je sais même plus à quoi ça sert. Je garde le secret. Allez, rentre dans le sac, Nebby. Get in the fucking bag. Bonjour. Est-ce qu'il vient de glitcher sur la plateforme? T'as débusqué mon assistante. Vieux motard que jamais. Non, pas Théa. Putain, je savais qu'elle s'appelait Théa. Fraîchement débarquée. Bien ma foi, enchantée. L'ancêtre est de retour. Hurrah pour joueur de la cave. What? L'homme que le Teletubbies a choisi. C'est joueur du grenier? Non. C'est pas joueur du grenier. Joueur de la cave. C'est le doyen. Qu'est-ce qui se passe ici? Joueur de la cave, t'étais passé où? Tu sais que je suis ancêtre. Mon temps ne m'appartient pas. Je suis avant tout au service de l'école maternelle. Ma petite Théa, que s'est-il passé? J'ai bien cru voir Lala s'envoler par-dessus la canopée. Quoi? Oh, le Teletubbies de Lille! Il y a des Teletubbies! Lala est pourtant un Teletubbies bien qu'apprécié. Tocorico, c'est un Teletubbies!
La la. La la. Sis m'a beaucoup parlé de toi. Joueur du grenier, c'est notre pote maintenant. Je tourne un œil à ces fameux Pokémon, vas-y. Brindibou. Brindibou, Boubou. Fiamiaou, miaou. Otaquin, Ota Ota. Ok, je prends qui? Quel Pokémon choisis-tu? Munja, Scorplane, le Vénard. Ah, ils ont changé! J'ai bugué. Alors, le Vénard, c'est non, hein. Munja, c'est... C'est lui, Munja! Le Pokémon qui vole pas? Quoi, mais attends, j'ai un... Je vais avoir un Scorplane ou un Flamiaou, je comprends pas. A few moments later. Le meilleur nom pour le meilleur Pokémon. John Boubacar. John Boubacar! Incroyable. Ouais, je suis le plus beau jour de ma vie. Piou! Truc inutile, tu es incorrigible. Le professeur et la, évite de sortir du sac. J'aime bien le Pokémon que tu as choisi, prends-en soin. Un super cadeau. Un Pokédex. D'accord. John Boubacar niveau... Oh, il a l'ombre toxique. Mais attends, non, c'est hyper dangereux parce qu'il a voile sable. Darvenin, j'ai de sale armure. Putain, on m'a... putain, mais c'est pété. Je vais pas le mettre, je vais pas l'utiliser maintenant, évidemment, parce que... Mais quand, j'aurai un... Si un jour j'ai un Scorvol... Incroyable. Oh non, pas lui. Eh, hey, ouais, toi, on se fait un combat Pokémon. Oh, oh, c'est mon petit fils Cizayoxy, le Cizer excité. Commence déjà par te proposer avant de, avant de provoquer les autres en duel couillon. Non, pas Cizayoxy. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Cizayoxy. Oh putain, non, pas Cizayoxy. Te prends pas la tête, balance quelques capacités, on verra, mais c'est une boule. Oh non. Bon. Allez. Et oui, ça va barder, allons-y. Putain, joueur de la cave. Je savais pas que joueur de la cave était le... Non, pas Cizayoxy. Oh putain, Cizayoxy. Là, Cizayoxy. Mais je peux pas gagner, putain. J'ai Darvenin, chez de sable et armure. Il est insensible. Qu'est-ce qu'il a comme attaque, lui? Il a tricherie, moi je suis mort. Je peux pas gagner le premier match. Génial, l'acrobe. Très très bien. Ah oui, d'accord, il a... Ouais, bon. Allez, moi j'ai armure. Oh bah dis donc. Ah oui, Stokorn, ça peut pas rater, je crois, comme attaque, c'est pas ça? Bon bah écoutez, hein, j'ai Darvenin. Hein. Ah bah ça marche pas. Oh mon dieu. Super. Merci Livia, enfin un très bon moment. Cizayoxy niveau 5. Non, mais c'était très bien. Écran noir. Trop fort, tu t'appelles Fifou, t'as trop la classe. Super. C'est génial. J'ai perdu un duel. Un instant, Fifou. Laisse-moi regarder cette pierre. Putain, mais je crois que c'est la première fois que je perds un duel contre un rival. Contre Cizayoxy, putain. Pardon. Vas-y, j'ai le seum, putain. Quand j'étais supposé faire avec jet de sable, armure et Darvenin. Mon chéri, déjà de retour, où est le professeur? Miaou! Mais attends, Il est comme il est chou, mais pas autant que professeur Nexis. Espèce de cougar, on dirait Brigitte Macron. Ah mon dieu. Eh bien moi, j'ai pas 11 ans, je suis pas un gros puceau frustré. Tu sais, je t'aime quand même, dans tous les cas, au pire, t'es adopté!
Je suis enfin libre. Je vais pouvoir capturer des Pokémon. Avec mon Pokémon. Un Nodulite. Je peux pas gérer les Nodulites avec Darvenin. Putain, ça va être chiant en vrai là d'avoir que Darvenin là. Au début là, j'espère qu'il apprend une bonne attaque un peu vite parce que Darvenin. Allez! Un Mélancolux. Ah mais oui, c'est complètement random. Putain, le Mélancolux, je le veux. Darvenin. Il a Lilliput. Quoi? Il apprend Lilliput, Mélancolux. Empoisonne-le. Étonnement. Je savais pas qu'il avait Lilliput, ce truc. Padam-pam. Allez, Darvenin, easy, ça fait 0 dégâts. Ouah, Flamme, je vais me faire défoncer. Ça va. Allez, Mélancolux. Je te veux dans mon équipe. Bon, on va essayer de le capturer maintenant. Parce que... Allez, c'est parti. Béba pour capturer. Hein? Putain, je vais avoir un Lugulab dans mon équipe. Oh! Mélancolux, I want you. Comment on va l'appeler, Mélancolux? On va l'appeler Yaourt. Parce que... Yaourtine, parce que c'est une fille, évidemment. Yaourtine! Oh, Yaourtine, parce qu'évidemment, Mélancolux et Yaourt... Classique. Allez, on va s'arrêter là pour le premier épisode. J'espère en tout cas que ça vous donne très envie. Vous pouvez voter dans les commentaires. Il y a un straw poll où vous pouvez voter pour le défi de la semaine prochaine. Parce que oui, vous savez que mes let's play sont toujours des let's play interactifs. Et puis, en attendant la prochaine, je vous dis tchuss. Abonnez-vous à ma chaîne et à Pokémon Trash aussi.